Je m'appelle Benjamin Guérin et je suis poète. Le voyage, c'est apprendre à poser un regard d'étranger sur l'étrangeté du monde. Dans mes chants du voyageur, le voyageur décide de s'installer aux confins du monde pour s'y établir. Et là, il apprend à redécouvrir son environnement avec un œil nouveau. Il doit tout réapprendre, comme l'enfant. Le chemin de l'approche. La pluie a éparpillé l'herbe et ma dame en pierre luit d'un vernis temporaire. Il faut s'ouvrir tant qu'elle est belle. Je traque et je bois le vin de ma vigne à présent, de petits grains joliment rouges que je bois jusque dans ma soupe comme un chapelet de rire. C'est en creusant l'aubier qu'apparaît le cœur, me dit mon ange. Je cultive et prospère. Pour un peu, je pourrais devenir bâtisseur, besogner humblement, redresser les murettes effondrées, les sentiers de lutte et de terre, laisser ma trace et bouger la pierre. C'est peut-être par la main que s'ouvre enfin le chemin de l'approche. Forêt du Bougès. Vers d'angoisse et de rêve, je chante gaiement à la masse des forêts ma nouvelle traduction. Des sentiers d'approche à parcourir encore, plutôt que ces chemins qui ne mènent nulle part. Ces infimes sentent, bien encore serpentent, je m'y perds, je m'y plais, à suivre tous les sillons tracés par les bêtes, creusant la montagne. Nous avons parcouru le monde en nous perdant méticuleusement. C'est ainsi qu'arrivent les rencontres, me souffle mon ange. Nous approchons l'ailleurs, plein d'attentes inconstantes. Mon guide est léger, criard à l'annonce. Celui-là connaît les 15 000 cachettes et je me fonds, et je le suis. Je suis comme lui, je subis ses règles, les mêmes. Et je vis sa loi. Je vous souhaite un excellent printemps des poètes.